Mehdi Benzatour, BMW Genius, donc spécialiste produit BMW. Liuma, on a présenté la série 2 Grand Coupé. C'est un nouveau modèle chez BMW. Donc, c'est un modèle J-Flows Nebin série 1 ou série 3. Donc, Atoul, mais série 1 va chez l'Insanti, ou Aqsar, mais série 3 va chez l'Insanti. Donc, j'ai au juste milieu, mais une série 1 et une série 3. Donc, c'est un modèle qui continue la ligne des grands coupés, les coupés 4 portes, entre autres, qui est ma série 4, qui est la série 8 grand coupé, ou Liuma Rana, le dernier né, donc la petite, donc série 2 grand coupé. Voilà, donc faire toutes les innovations de BMW, que ce soit commande gestuelle, assistant de marche arrière, les phares full LED adaptatifs, les sièges sport baquets BMW M, toutes les options qu'il y a sur les modèles, les Akbar Mena, que ce soit série 5, X6, le Taqam, ou même Didom Taqam sur une série 2 grand coupé. Donc, les motorisations disponibles pour notre marché, on a le 1.5 turbo qui développe 140 chevaux, 8 chevaux fiscaux et 220 Nm de couple, le 218i, ou le M235i qui fait 306 chevaux, 450 Nm de couple, 1,2 litres, 4 cylindres, et le sur commande, uniquement sur commande. Voilà. Les prix de départ, donc la série 2 grand coupé, elle est à partir de 143 500 dinars pour la finition business line, jusqu'à la PAC M Sport aujourd'hui, elle est à 183 000 dinars. Voilà, on a un nouveau logo de BMW qui se veut plus épuré, depuis tendance jdida, de l'innovation, mais fin les innovations de BMW, donc nouveau logo plus épuré qui remplace le logo l'Qdim il y a 22 ans. Et voilà, ça nous ouvre une ère nouvelle la vie des futurs modèles BMW. Sidi Marhaba Bikoum, donc on a eu le plaisir et l'honneur de présenter la nouvelle série 2 Grand Coupé. D'ailleurs, le lancement est prévu le majma pour le mois de mars 2020. On est dans les temps, barakallah, j'ai mis à falloir que tu puisses t'occuper de la majma. Donc la série 2 Grand Coupé, c'est une voiture qui est basée sur la plateforme de la série 1. Elle reprend de l'extérieur quelques éléments de la série 1, notamment les ailes, le capot moteur et les deux portières. VM al-Barra, Chekhvet, la série 2 Grand Coupé par rapport à la série 1. Le Qodemi, tout est nouveau, tout est neuf, c'est un design différent de ce qu'on a d'habitude. La calandre, jdida, les feux, kif-kif, Moshkima série 1. Jabdin Akhtar fait vers les ailes pour donner cette allure de sportif. Calandre un peu plus large et rabaissé, forcément, puisque pour ta fois avant, c'est les deux grands coupés. Et bien, Benes Bal, l'extérieur. L'extérieur, format qui trouve le grand coupé, donc forcément, une ligne de toit fuyante, donc Habta Akhtar avec l'arrière, donc pour donner cette impression de grand coupé. Et ce qui a aidé cette ligne fuyante, c'est au fait les portières sans encadrement. Donc, Zouz Biben, Rodemi Mutilénine, mais Fihom, sans encadrement. Il n'y a pas d'encadrement. Donc, ça permet aux designers de rabaisser encore plus le toit. Et d'où les 14 mm, les Aqsar Messeri 1. Donc, on a le gabarit, tout l'arbre à mètre ou 3,50. L'alo, on a 1,42 m, aux alentours de 42-43. Benesba, la largeur, elle fait exactement la largeur de la série 1 qui est 1,80 m. Et l'empattement, il est de 2,67 m. C'est exactement l'empattement de la série 1. Donc les espaces à l'intérieur, on a des espaces Martalmin à Bilgdez. Benesba, l'intérieur, c'est pratiquement la série 1. À quelques détails près, sinon, le tableau de bord est comme d'habitude fidèle à la marque. Il est orienté vers le conducteur. Donc c'est BMW. Et pour les options, elle reprend exactement, voilà, elle reprend pratiquement toutes les options qui existent sur les modèles supérieurs. Alors, on a la M-Série 4, la M-Série 5, la M-Série 7, elle a tout. Quel écran tactile, quel GPS, quelle lumière d'ambiance. Lumière d'ambiance, Ritouhom, qui fait chouelleau, encastré fait les inserts, donc un rétro-éclairage, donc 6 couleurs selon l'humeur. Fama une option les marquines chaleur le واحد اللي هي la commande vocale le fait tu parles avec le caraba ou la commande vocale donc en fait c'est une intelligence artificielle qui s'adapte ou qui t'estenes le conducteur بشوي au début ça paraît très banal mais بعد qui t'estenes bik معناها tu peux aller à des trucs bizarres genre تقول لها j'ai chaud tu as la climatiseur je suis stressé tu mets la musique تحب عليها et c'est prouvé alors c'est pas de la pub mais bon c'est une option tu as les ولات حاجه مطلوبه وجديده
بالنسبة قلت لك لي نوفوتي لي فوس سي لي دو لي موجودة في كارب كيما كوموند جيستويل بور ريبروندر ان بو لا مانيبيولاسيون دي زيكران تاكتيل ما تم برشا عباد يقول لك يا بوكو ديد على كوندويت انسي سويت مي ايسيي دو كوندوير وقعد مس في الاكران سي توجور ما ديما تبعد على كونسنتراسيون دو كيلكو فونكسيون لا تاع بي ام دبليو في بالكوموند جيستويل موجوده في سيري 5 و 7 و ليكس انسي سويت دونك تنجم تتحكم في الفوليوم تاع الكهرباء طلعت قوي تنجم تعلق ولا تهز التليفون بيدك سي با لا بين توجو فولون لي توجو فولون تنجم تبدل من الشين تاع الراديو انسي سويت دونك كيلكو اوبسيون اللي عاونوك كوموند جيستويل اون لي سول ا لا بروبوزي بور لاستان C'est une option propre à BMW. Quand je fais série 5, je vais faire le crâne. C'est ce parmi les votés. Il y a deux versions d'écran. Donc l'écran, le Kbir, le Samir, le Live Cockpit Professionnel. Le Live Cockpit Professionnel, il fait deux écrans donc, numériques. Vous avez un 10 pouces 25. Ou l'écran combiné classique avec 10 pouces 25. Ou l'écran, vous avez 10 pouces 25. Le Live Cockpit Plus, c'est un écran analogique normal, le compteur de kilométrage ou régime moteur, ou le WIST, un black panel, il fait les données de la carabe, l'écran au sol, il marche 10 pouces 25, il voit les 8 pouces 8, mais tactile. Ou ZOS, fait un GPS. ZOS, les deux ont la navigation en fait, dans le voiture. À part qu'il m'en compte que les caméras de recul et tout ce qui est LED, les LED, c'est de cette série. Sinon, on a les LED adaptatifs, donc ils dorment dans la direction du véhicule, du volant. Et les clignotants, le four pour donner une sensation de plus large. Et donc, grosso modo, le carabin, ce qu'elle présente de l'extérieur et de l'intérieur, les finitions, donc comme on a expliqué, on va ramener la business line, mais que sur commande, donc facile comme allège, la sport line, donc à partir de 166 000 dinars, 300, 400, et la pack M, 183 000 dinars. Sachant que, sur le pack M ou sur le sport line, on peut avoir les deux versions, واحدة بالإكران الكبير وواحدة بالإكران الصغير. اللي حاب يطيح في سوم الكهرباء سي دو 7 6 6000 دينار. حاب يطيح ياخذ الإكران الصغير ولا حاب يخلي كيك سي دو 180000 دينار. علاش قلت لك السيري 2 غران كوبي ولا حتى كيما سيري 3 جي دي جي 20 فما لونتري دو جام جيبوها سو كوموند. كيما فسرت سي لونتري دو جام ولات ما عادش تعجب التونسي. لو تونيزيان بور اشتي ان بي ام دبليو في ديبورش بوكو دارجون. غادي يقول لك تانك كافي يا خويا انا ما ناخذش كهرباء اليوم بي ام دبليو في ما فيهاش توا اوفران ما فيهاش درش نوا ما فيهاش كاميرا دو ريكول ما فيهاش انسي دو سويت دونك لقينا لي لا دوموند ريالمون اللي اكسي سور سي نوفوتي سور دي اوبسيون او سور لو هاد جام دونك هذاك علاش قلنا سو كوموند اللي حب كهرباء بالصوم هذاك نجيبوها ما عندنا حتى اشكال واللي حب كهرباء اغلى زاد نجيبوها كيف كيف فوالا